Et salut à tous et bienvenue au monde de la folie des Artrix. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Pokémon version blanc. Et on est en train de monter la tour Dragospire. Et donc, je pense qu'on est bientôt arrivé à la fin. Alors, Fœtus devant, je pense pas que ce soit la bonne idée du coup. On va mettre engrenage, allez. Parce que du coup, Fœtus, ils envoient que des Pokémon que je peux pas taper. Donc, on va continuer. Et la... Hop. Lundi, on avait bien géré face à l'arène. Bon, on avait les Pokémon pour en même temps. En même temps, on avait bien géré par rapport à la vantardise. Et tout ça, donc c'était plutôt cool. J'ai bien aimé ce combat d'arène. J'ai bien géré. Et je suis content. On va faire miroitir. Croc de mort, j'évite. Nickel. On va plutôt faire avancer Crew. De mort cette fois ça passe, ça ne me fait rien. En même temps t'as déjà essayé de croquer de l'acier, ça fait un peu mal aux dents quoi. D'accord, on va faire éclair accro fatal cette fois. Bon, ça accro fatal ça enlève toujours la moitié des PV restants, donc c'est un peu chiant. Voilà, Baguiguan, je peux pas le taper avec mon Pokémon. On va y Serpentin, allez. Notre starter. Et on va le méga sensu. On va pas traduire. On va pas. Oh non, ça lui fait rien. Ah, ça lui fait rien. Représailles. Ah, allez, non. Oh, ça va. J'aurais pu le vampigrainer, mais bon. Voilà. On va plutôt l'âme feuillée. Escroco. Oh, c'est pareil. Lui, par contre, il va prendre cher à Méga Sensu. Non, mais... Lui, c'est un moyen de me refaire ma vie. Il me semble qu'il est seul. Hein. Il est totalement seul. Ma chouille. Mais t'es mort. Ouais, je me suis un peu... je me suis un peu renseigné quand même sur les Pokémon de cette cinquième génération. Un peu plus. Bon, je les connais, hein. Mais c'est au niveau des types, certains, je savais plus. Il y a une Pokéball ici. Crodragon. Ah, oh, sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh la vache, encore un truc. Ah oui, bah non, sinon ce serait trop simple. Alors, une énigme. Si tu veux passer, tu dois répondre à mon énigme. On va récupérer les objets parce qu'ils sont pas... En fait, l'énigme est facile. L'énigme est facile. Elle est très facile. Bon, il y a une Pokéball qui me manque, mais c'est pas très grave. Je pourrais aller la récupérer, je pense. Mais... Quoique, je sais pas. Peut-être que je me suis trompé quelque part pour aller la récupérer, mais c'est pas grave. Alors. Oui. Ram? Oula, alors... Il y a un truc que j'ai pas saisi, ou alors je me suis trompé dans quelque... Non? Ben... Le seigneur N va bientôt ceindre les scintillants lauriers du héros. Qu'est-ce qu'il y a? Or donc, dégénère, essaierait d'interrompre cet instant glorieux entre tous. Au nom de votre roi, arrêtez-moi ce dresseur pouilleux. Nous n'avons que des ennuis. Nous n'avons que des ennemis hors de la Team Plasma. Purifiez-moi cette chose. Une nouvelle eau point sur eux unis. Tu ne l'arrêteras pas. Oh non, pas un par un les quatre.
J'ai pas soigné mes Pokémon. J'ai pas soigné. Et heureusement, le dresseur adverse est débile. En même temps, c'est un membre de la Team Plasma. Escrofou, Serpentin, vas-y. Bim. Oh, t'as boom baissé mon attaque. Je te fais un coup critique. Enroulement. J'ai déjà vu cette attaque, enroulement. Voilà. Non. Oui. Tu me l'as déjà proposé. Voilà. Qu'est-ce que t'as d'autre? Allez, qui? Mais oui, mais j'ai toujours engrenage devant. Pas cool, ça. Qu'est-ce que t'as, toi? Un escroco. Eh bien, on est obligé de faire avec Serpentin, en fait. Parce que je sais pas ce qui m'attend encore derrière après. Vantardise. Ah. Vantardise, ça nous avait porté chance à l'arène. Oh. Vantardise qui nous aide. Oh, l'enfer. Tape-toi. Yes. C'était fait exprès. Ah ouais, mais... Voilà, merci. Yes, niveau 38 pour engrenage. Oh, yes. Enfin. Ah ouais. Clic. C'est plus tic, c'est clic maintenant. 8.30 on va dire, allez 8.30, tac. Voilà. Il apprend rien, il apprend rien. Bon. Miamiasme. Enfin, enfin il a évolué. J'attendais vraiment l'évolution d'engrenage. Il y en a encore une derrière, pour ceux qui se demandent. Bélier. Et stockage. Je m'en fous. Par contre, j'espère que le type après, le sage, il va pas nous attaquer. Ça serait vraiment dommage. Léopardus, forcément. Allez, la boule, tiens, j'en ai marre de Léopardus. Vas-y, la boule. Tiens. Oh! Bien joué! Tiens. Bim. Voilà.
En fait, Leopardus, c'est peut-être juste normal. Mais j'en doute. Non, mais 4 adversaires de suite, c'est facile. Enfin, surtout si vous avez vos Pokémon là. Miradar. Je tente avec Fétus, allez. Trop fatal, ça va m'enlever la moitié. Mais normalement, quand tu fais Croc Fatal, c'est qu'après, t'as une attaque qui permet de me finir derrière. Ça sert à rien de faire de spammer des Croc Fatal. Allez, tiens. Donc, maintenant, vous partez. On va peut-être les soigner maintenant. Alors ce que je vais faire même, c'est que voilà. Multi-exp, donner la brute, parce que la brute, il n'a pas vraiment l'occasion de se battre. Et ensuite, super potion pour ceux qui ont que 50 PV à récupérer. Voilà, comme lui. Et comme lui. Et le reste, hyper potion. Faudrait que je pense à vendre des trucs quand même, au bout d'un moment. Ça serait bien. Et donc, normalement, je devrais mettre soit la brute, soit Fœtus devant. Mais le problème, c'est que il y a tellement de Pokémon qui les contre là dans la Team Plasma, c'est que c'est pas trop possible. Donc, on va laisser en grenage pour l'instant. En plus, il vient d'évoluer, donc allez. Alors, Zartrix, qu'en dis-tu? Voici le majestueux Pokémon qui, à mes côtés, guidera le monde sur une voie nouvelle. Il est temps pour moi de m'envoler avec Reshiram vers la Ligue pour défaire le maître. Ce moment sera historique, le dernier combat, la dernière fois que les Pokémon souffrent. Un monde pour les Pokémon et rien qu'eux verront enfin le jour. Pour nous arrêter, il te faudra faire preuve d'héroïsme également, en te faisant reconnaître par Zekrom, le seul être pouvant tenir tête à Reshiram. Ah d'accord, je me disais mince, pourquoi il y a Reshiram? Nous combattrions à armes égales. Et tu auras une chance de nous arrêter. Alors que feras-tu? D'après mes calculs, dans ce futur que j'entrevois, tu rencontres Zekrom. Toi à qui les Pokémon font confiance. Oui, toi, seras-tu l'inconnu de mon équation? Le grain de sable qui ferait dérailler ma mécanique avant qu'elle puisse changer le monde. Sois mon grain de sable, je serai ta mécanique. Si tu veux protéger le lien qui unit Pokémon et humain, va, trouve Zekrom, plongé dans son sommeil, réduit à l'état de galet noir. Il t'attend. YOLO! Zartrix? Il s'est envolé? Mais que... Je ne comprends pas, c'était bien N que j'ai vu. Que faisait-il avec le Pokémon légendaire? Il serait vraiment le nouveau héros? Et j'ai bien entendu, il t'a demandé de chercher un autre Pokémon légendaire? Du calme, redescendons. Ce qui est passé est passé, c'est le présent qui compte. C'est bon, on n'a pas à se retaper toute la route. C'est renversant. Ils auraient ressuscité un dragon légendaire à notre époque. Ce fichu N, le chef de la Team Plasma, a pu ressusciter le Pokémon de la légende. Et il ordonnait à Zartrix de chercher l'autre Pokémon légendaire avant de disparaître. Ah bon? Il y a deux dragons légendaires? Eh oui. J'entends le loup, le renard et la belette. Non. Mais si ce n'est pas ce bon vieux Goya, comment va vieille branche? De politesse! Sa terrible colonne de flammes au sommet de la tour, c'était un Pokémon capable de détruire le monde. Et il obéit à un fou qui veut la libération de tous les Pokémon. Ce serait la terreur
ou le respect. Hein? Ou un mélange des deux qui changera ce monde. Les jours de ce bon vieux monde, où on peut encore marcher avec les Pokémon à nos côtés sans compter. En effet, Reshiram a été ramené à la vie par le leader de la Team Plasma. Et il est parti en nous mettant au défi de trouver Zekrom. D'après les légendes, Reshiram pouvait déchaîner ses flammes, et avec un autre Pokémon, il a réduit une liste en cendres en un instant. Elle le saurait, et c'est pour ça qu'il attend l'apparition du deuxième. Quoi? Mais c'est dangereux de ressusciter deux Pokémon aussi forts. Ma petite, t'es désarmante de simplicité. Je sais pas à vrai dire si les autres Pokémon pourraient leur résister. Après tout, on les connaît que d'après les légendes, ces deux-là. Peut-être bien que ce fichu N bluff, mais bon, chercher un dragon, enfin un galet, c'est pas si mal. Surtout, faudrait pas que la Team Plasma puisse ressusciter le deuxième dragon. Comme j'ai voyagé dans tout Uni, j'ai une petite idée. Qui commence par château et qui finit par enfoui. Allez les petits, suivez-moi. Allez. Oui. Non, ne me parle pas. Je sais où c'est. Je sais où c'est, j'ai fait exprès de pas le faire. J'ai fait exprès de pas le faire quand on y était. Quand vous vous rappelez dans l'épisode où j'étais près du désert là. Et que je vous ai dit là-bas il y a un truc, mais on va pas le faire parce que c'est pas intéressant. LOL. Regardez, vous avez vu? Il y a Canard VC qui a évolué pendant l'XP. Je fais ça juste pour faire vol, après je récupère la brute, hein. Vous inquiétez pas. Alors. Allons faire le château enfoui. Vol. Donc c'est là. Voilà. Vite, faut arriver avant eux. Vite. Je vais les soigner parce que je sais pas si on les a soignés entre temps. Je sais pas en fait. Ça se trouve, on me les a pas soignés. Et du coup, je sais pas. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc je vais les soigner. Pour les pépés surtout. Et il faudra que je pense entre deux épisodes à vendre mes objets. Et en racheter d'autres. Est-ce qu'on peut être en vélo là-dedans? Ah ouais. Trop bien. Alors. Non mais alors là par contre. Voilà, et vous êtes niveau 17. Non mais s'il te plaît, on s'en fout. Ah non. Voilà. Bon oui, c'était dressant, mais je l'ai déjà fait. Alors, le château enfoui. Le château enfoui. Donc eux je les avais fait rapidement pour l'XP quand j'avais fait un XP entre deux épisodes. Je les ai pas tous fait ici, donc on va essayer d'accélérer un peu. Parce que bon, ils sont... Oh, il y a des Darumaru aussi ici. J'en ai déjà un Darumaru. Allez, casse-toi. La tempête de sable. Le château enfoui doit être par là. Voilà, il est là. À côté des statues. LOL. Quoi? Je sais. Il me prend pour un con ou quoi? Ah oui, d'accord. Non mais... Pourquoi j'ai fait ça?
On va accélérer parce qu'ils sont... Là, j'accélère juste ici parce qu'ils sont niveau 24. Quoique, du coup, vu leur niveau, je pourrais peut-être mettre la brute devant. Faut pas le faire en vélo. Faut pas le faire en vélo. Ça y est, ça me revient. Faut pas le faire en vélo. Je crois. Non, lâchez-moi. Je ne vais pas vous capturer, à moins si vous êtes shiny. Mais ça m'étonnerait. Que je tombe sur un shiny comme ça. Non, lâchez-moi. Mais... J'ai des repousses, j'ai des repousses. Merci de me l'avoir dit, merci. Je remercie tous ceux qui me l'ont dit. Je sais pas ce que je ferais sans vous. J'ai bien sûr des repousses. Voilà, ils sont là. Mais comment on fait pour passer? Faut pas courir. Bah si, faut courir. Attends, y'a pas un mec qui me le dit? J'ai compris deux choses à propos des sables mouvants. Si tu tentes de les traverser par le milieu, tu tomberas au niveau inférieur. Et si tu cours dedans, voilà, faut pas courir. Très bien. Donc on court pas. Ainsi que Maître Gettys nous l'ordonnait, éprouvons ta force sans plus attendre. Ah. Je maltraite les Pokémon, moi. Tu oses me dire que je maltraite les Pokémon. D'accord. Que de la Team Plasma, hein. Tout le temps, tous les jours. Niveau 34, hein. Voilà, merci. Allez. Mais pourquoi t'es plus rapide que moi, là, d'un coup? Oh la vache. Bon, engrenage, là... T'as pris vraiment cher. Bah ouais, on va changer. On va envoyer Serpentin. On va envoyer Serpentin. J'ai pas le choix. Et tiens, tu vas prendre une petite lame feuille. Et hop là. En plus, tu m'as même pas intimidé. Donc c'est cool. Escroco à nouveau, allez. Bim. Oui. Donc là, bah j'ai pas le choix d'aller au milieu. Voilà. Une petite potion max. Voilà. Allez, viens là. Mince, j'ai pas enlevé un grenage devant. C'est pas grave. Baggy Gwen. Baggy Gwen. Si on est plus rapide, on peut le tuer. Non, on peut pas le tuer, non, je suis con. On peut carrément pas le tuer. Par contre, lui, il peut. Ah non, pas du tout. Bon, bah, meurs alors.
Je sais pas ce qu'il m'a fait, mais... Miradar. Oh, Miradar, on peut le tenter avec Fœtus, quand même. Pardon. Je me suis étouffé en avalant ma salive. Allez, tiens. Oh, on a eu chaud. Mais la brute monte de niveau, c'est pas possible. D'accord, donc c'est par là qu'il faut continuer. Hyper caution. J'ai bien envie de tenter de mettre la brute devant, mais elle fait prendre cher. Non mais on va mettre si haut. Allez, on va tester si haut quand même. Du coup, on l'a même pas testé. C'était si haut. Merci. À la limite, j'aurais pu le brûler. C'est vrai. Ah, m'empoisonne pas. Meurs, s'il te plaît, meurs. Voilà. Yes. Allez, cassez-vous. Tiens, prends le vieux gâteau. Et une eau fraîche. Ah, oh, c'était juste pour une Pokéball ici. Ballombre! Ah, oh, mais carrément! Bon, Ballombre, on le mettra sur Sio plus tard. Non! J'ai couru! Je voulais pas courir. Voilà, attends, c'est un labyrinthe en plus! Bah non. Je comprends plus rien. Ça y est, je suis perdu. Bon, déjà, on va faire ça. Machouille, bah je suis mort. Ah non. Ouais, mais si haut, c'est pareil que... Que Fœtus. Tunnel, ok, ça aimerait me faire. Trois, il m'a enlevé 7 PV. C'est fort la brûlure un peu quand même. Allez. Voilà. C'est très gentil, escroco. Alors, pas courir. Un rappel max. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il n'y a rien. Oui.
Dis-moi que je peux passer en bas et après là-bas, parce que sinon ça va être chiant. J'ai laissé Sio au devant, rassurez-moi. Bien sûr, bravo. Tu es très fort. Oh, allez, la boule. Je suis content d'avoir laissé les Sio au devant. Allez, tiens. M'en fous, la vitesse a diminué. Allez, fœtus. Tiens. Le seul problème de mes Pokémon, c'est qu'ils sont lents. Mais lents. Et c'est un véritable problème. Bain de smog, allez. Ah, ça peut avoir fait avoir la trouille, ça. Non, m'empoisonne pas, s'il te plaît. Merci. Voilà. Ok. M'en fous. Mais faut aller où? Faut que je redescende encore. Parce que là, j'ai rien pour monter, là. On est d'accord. Y'a quoi en bas, là? Y'a rien non plus. Donc faut que je retombe. J'essaye. Allez, l'animation qui dure 10 ans. Et là, je suis où, là? Ah, il y a des escrocos, maintenant. Mais pourquoi j'ai si haut devant? Pourquoi? Non, fuis. Merci. Pourquoi? Pierre soleil, ok. Bon. Ah. Oh, il y a deux dresseurs là, où j'aime pas ça. Oh là, j'aime pas ça non plus. Qu'est-ce que ça fait si je monte ici? Ça m'amène où? Là, je suis où? Ok, un endroit random. En fait, avant de vous quitter, j'aimerais trouver l'endroit où je suis, quand même. Ok, je suis revenu ici. C'est bon. Ok. Mais Sio, arrête d'être devant. Le combat de débile. Donc, on va s'arrêter ici, parce que c'est déjà très long. Et... je vous dis à vendredi, donc pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo si vous a vraiment plu. Et à vous abonner pour rejoindre avec moi le monde de la folie et sur la espèce des Artrix. Bisous tout le monde.